di un popolo ghilotta ci sei giunta anche tu ad aprata monta porta sempre guato io an tu patria oggi rinasci di conta con so più no grazie a te Bastiano sciau più alte mori pro. Dito babi in culiste su varvori, un rispetto ispiredi a tutti gli jugadori, non sarà mai più spinto su calor così brucianti, e lutto gurunamento ci la forza d'un gigante. Bonjour Luna, comment il va Luna? J'espère que tu vas bien. La 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 Bastille, la la la. Ah là là, cette chanson me plaît tellement. J'avais envie, alors tant pis si je me fais strike pour ça. Je pense pas que les Corses vont vous faire chier. Surtout si ils nous disent là, ça va. La musique n'est jamais assez forte. Donc je pense pas que Zveloudis ou là va me faire chier pour ça. Hein. Mais j'avais besoin de passer cette musique. J'avais eu l'envie là. J'ai eu l'envie de sortir une petite musique bastiaise. Voilà. On se fait plaisir. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un bug. Ah ouais, non, c'est bien ça. Il y a un bug peut-être sur Pokémon Community Game. Je ne sais pas, écoute, c'est pas bien grave. C'est mieux, merci. Ça, c'est du racisme anti-corse, monsieur, voilà. Il y a de la musique corse, donc forcément, on n'aime pas ça, quoi. Hein. Bravo. Je n'applaudis pas, monsieur. Ah merde, si, j'applaudis. Bon, du coup, les copains, on va jouer une petite heure, peut-être un peu moins, sachant que la marraine de Luciana l'a récupérée pour aller au jardin. Donc, je me suis dit, je vais sortir un petit live pour essayer d'avancer un petit peu sur Cathy Rain, quoi. Parce que, franchement, c'est un jeu que j'ai kiffé et j'ai envie d'avancer et de voir si j'avais raison. Parce que, bon, le souci, c'est que les point and click... Au bout d'un moment, ça commence un peu tous à se ressembler. Hein. Et le scénario, là, c'est un petit peu du réchauffé. J'ai l'impression. Peut-être je vais me faire avoir. Hein. Peut-être. Mais il me semble avoir déjà vu ça dans un autre point and click, le même scénario à peu près. Donc, on va voir si j'ai juste ou pas. Donc, on est parti, les copains. Hop là. Ça, je peux faire en mode live et ça comme ça. On va lancer le jeu. Et on est parti. Voilà, j'en étais là donc. Tac et tac. Par contre, ça me rend fou de pas avoir... Tac. Attendez, parce que j'ai un message de Turk, alors... Donc voilà, pam pam pam. On est reparti sur le jeu. Par contre, il y a eu un vrai bug sur Pokémon... Ah ouais, comme il faut en plus.
Je pense qu'ils ont un bug. C'est pas grave. Attends, ça, je vais le réduire. Comme ça, je l'ai encore un peu avec moi. Savoir s'il y a un message qui s'affiche au moment. Et on reprend. Donc, les nouveaux éléments que j'avais appris, c'était quoi? Est-ce que j'en avais parlé déjà aux flics et tout? Je crois, hein. Je vais vérifier. Des gros bisous à toi, mon Luna. Alors, Luna. Lenny, pardon. Luna. Oui, j'avais parlé des fleurs, oui, c'est vrai. Ouais, les fleurs hallucinogènes. Par contre, j'en avais pas parlé. Je sais que j'en avais pas parlé de ces fleurs hallucinogènes. Hey, coucou mon bug, comment ça va? Et ouais, je parcours la route 66. Alors, je vais retourner voir au cimetière si je revois le fantôme de l'enfant, là. Ouais, je pense que c'est un fantôme, c'est pas possible autrement. Oh, par contre, l'animation, quand on arrive au cimetière, c'est tellement lent! On sent vraiment l'aspiration années 90, hein, c'est... Prends ton temps. Pourquoi t'es pressé? Ça va très bien, je te remercie, mon bug. Et toi, mon insécateur adoré. Pas trop dur le taf aujourd'hui. Donc, il n'y avait rien au cimetière, on peut repartir. Donc, je vais aller à la maison du bord du lac pour parler avec la maman de Lily, savoir si elle connaît quelque chose aussi sur les fleurs hallucinogènes. Mais il neige à Paris, sérieusement? Sérieusement, il neige à Paris, la bug? Ah, déjà, je devais aller en Alsace en principe, et c'était trop bien, du coup, je voyais Isran et tout. Parce que j'étais invité à... Je sais pas si je te l'ai dit à toi, j'étais invité à la convention Geek Unchained. Ok. Et le problème, c'est que... Ben, j'ai pas réussi à avoir mes jours de congé pour pouvoir m'y rendre. Oh, it's you again. Malheureusement, donc, voilà. Mais ça aurait été cool d'être à un stand... No Nathan today? Nah, haven't seen Nate all day, probably out in the woods. Et peut-être que Nathan, il est devenu un peu fou à cause de ça aussi. That must be Lily. She seems very happy. Is this how Nathan still sees himself? As a little boy? Ah, je regarderai ça, du coup. The left half is torn off. Pourquoi ça a été déchiré? Bon allez, allons parler à Sou. I had a few more questions, Sue. Alors attends, sur le Discord de Mike. Dans le blabla. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Le climat me fait un poisson d'avril. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Alors, la fleur. Sure. Smoked it a few times back in the day before it was endangered and all. Yeah? What was it like? Similar to pot, but stronger and more unpredictable. Never touched the stuff after I got pregnant with Lily. All right. OK. La carte, on s'en fout. Ça. Sue, what do you see in this picture? My god. That looks like one of Lily's paintings. Wow, really? Can you describe it? It was a nighttime scene, just like the photo. But the lights were floating above the lake. There was a pale hand reaching up from beneath the surface trying to touch them. The forest in the background was on fire, making the sky purple and red. There were probably other details too, but that's what I can remember. Sounds captivating. Wish I could have seen it. D'accord. Puis après tout le reste c'était bon, hein. Pam pam pam. Allez. Merci. J'ai de nouveaux éléments. Des nouveaux éléments. Je vais pouvoir. On a dit qu'on allait d'abord voir Wade. Hein. On va d'abord aller.
la Catmobile. Il y a ma femme qui me demande si ça va. Je vais montrer comment ça va. Ah, excusez-moi. Hop là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ma mère, qui est ma factrice, qui m'a amené un colis de PlayAsia. Qu'est-ce que c'est, PlayAsia? Je ne sais pas ce que ça peut être. Oh, est-ce que le jeu a remarché? On va retenter alors. Attendez. Oui, ça y est, ça remarche. Il y a dû avoir un bug. Donc, attends. Poké Daily. On va voir si j'ai un bon loot. Oh la vache. J'ai eu 12 dollars et deux premières balles. Merveilleux. Coucou mon Dirty. Ah, oh, je suis dégoûté. 12 dollars de poké, deux premières balles. Super. Donc, on a dit, on allait à la clinique. Ça va? Comment ça va, mon Xavier? Il faudra que j'envoie un message à Isran. Parce que je pense que c'est... Il m'a dit qu'il m'avait pris un truc pour mon anniversaire. Il est fou. Il est complètement taré. Mais je pense que ça doit être ça. On va lui demander, hein. Voilà. Ça va très très bien. Et toi, mon Xavier? Alors, on a dit clinique. Allez, allons à la clinique. Clinique communautaire de Conwell Springs. Conwell Springs. Ok. Ah, mais c'est pas le clochard que j'avais vu en prison, là? Yep, it's full of trash. Figure that. On va voir des trucs que je peux faire. Sortir d'un côté, sortir de l'autre, parler au clochard. Mais c'est lui, oui. We meet again, Mr. Homeless Guy. Homeless? That's the worst thing I ever heard of, and totally untrue. Eh, ah, c'est bien le cadeau d'Isran. Attendez, j'enlève la caméra deux secondes. En plus que c'est la première année, les amis. La première année où... Comment on appelle ça? Oh, pardon. Je remets la caméra. Voilà. Première année où je fais pas de blagues à mes filles. Bon, je vais ouvrir le cadeau, du coup, parce qu'il sera de m'a confirmé que c'était bien lui. Je vais attendre qu'il marque un petit mot dans le texte. Enfin, dans le chat. Pour être sûr qu'il est là, qu'il soit là, pardon. Mais trop cool. Petite ouverture en direct. Pendant que je fais un jeu offert par Isran en plus. Voilà, c'est quasiment déballé. Il n'y a plus qu'à avoir le message d'Isran. Ok, bah si tu veux. Allez, il est là. Bon, du coup, je vais regarder comme ça. Je n'arrive pas à voir à travers. Nani the fuck? J'essaye de regarder sans regarder, tu sais, à travers le live. Nani the fuck? Ah non, mais c'est une... Ouverture PlayAsia. Mais c'est emballé. Oh, le piège, j'ai cru que j'allais voir ce que c'était, mais non, c'est emballé.
Play Asia. Oh, stylé. Ça aussi, c'est stylé. Ça, mais ça, je vais me le faire piquer par mes filles. Je l'annonce. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le garder. Un personnage chibi, c'est mort. Oh, mais même pas, tu peux. Mais même pas, t'as envie de le casser, l'emballage, regarde. Même sur l'emballage, il est trop stylé. Donc, on va essayer de faire ça proprement. J'ai presque réussi. Ouais, bon. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc, déjà, niveau format, j'ai l'impression que c'est de la Switch. Nanny the fuck. Oh! Oh, il sera, mon dieu. Oh mon dieu, les amis, FF9, mon FF préféré, mon dieu. Oh putain. Oh, trop bien. Mon FF préféré que je n'ai jamais pu finir, hein. Je vous rappelle l'histoire, il m'avait été prêté à l'époque sur PlayStation 1 par mon voisin, qui m'avait prêté que les 3 premiers CD, et quand je lui ai demandé « je peux avoir le 4 s'il te plaît ?», il m'avait dit « ben je l'ai perdu ». Et du coup, j'avais jamais eu la foi de recommencer. Mais là, maintenant que c'est sur Switch, je vais pouvoir. Merci du fond du cœur, Isran. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, ça va être tellement bon. Ça va être tellement bon au travail. Non, parce que je le prendrai pas pour le travail, je suis pas comme ça, mais tellement. Oh ! Toi, tu gères, Isran. Tu gères la fougère. Merci du fond du cœur. Ouais, je pourrais enfin le finir, mais c'est ça. Oh là là. Ah ben, t'as fait mouche, quoi. T'as fait ultra mouche. Comme cadeau d'anniversaire, on peut difficilement faire mieux. Donc, merci du fond du cœur. Je suis trop content. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, FF9. Je sais pas si je le streamerai, parce que ça, c'est le genre de jeu, j'ai envie tellement de prendre mon temps et tout ça que je pense pas que je le streamerai. Je pense que je vais juste le kiffer de mon côté, celui-là. Tu vois, faire du level up tranquille au taf, faire des trucs comme ça. Enfin, je verrai. Je verrai si je le stream ou pas. Ah, putain, ouais, que ça me plaît. Ah, de fou. De fou. Ah, trop bien. So. What's up with the trash can? Digging for treasure? Well, I'm just merci, going merci, a rough merci. Patch. By the way, you owe me 10 bucks. Ah oui, c'est vrai, je lui dois 10 dollars. Nah, you agreed to 7. You're busting my balls here. Better get those balls checked out in this clinic then. On dirait un gosse à Noël. Mais oui, exactement. Comment il va, mon Danou? So cold. Like a steak through the heart. What do they call you anyway? Goldberg. Everyone calls me Goober. All right, I'm Kathy. Pleasure to meet you. So, what's your story anyway? On va écouter son histoire. My story? Yeah, don't all bums have a story? For your information, this is all just a dry streak in my showbiz career. Is that so? I don't recognize you at all. I used to have more hair. That I actually believe. Come on, man! Frankie Gold is my stage name. Surely you must have heard of me? Not really, no. Oh, come on. I have starred in dozens of Hollywood movies. The Silence of the Lambert, Jacob's Bladder, The Usual Surprises, Natural Bald Killers. Not ringing any bells. Okay. Kids these days, no appreciation for quality cinema. Breaks my heart. So, tell me about this acting career of yours. What about it? Tell me about The Silence of Lambert. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns mute overnight. Elle est partie avec sa marraine au jardin. Et re, ma chérie. For weeks, he tries to communicate with customers using a self-invented sign language, only to realize that true love needs no communication at all. On vient d'amour sincère, la communication n'est pas nécessaire. Chérie, je crois qu'on n'a pas un amour sincère, nous, du coup. He marries his housekeeper, who only knows two words in English, yes and clean.
In the end, Lawrence dies of a heart attack in the arms of his lovely wife, Consuelo Lambert Vasquez, based on a true story. I'm not sure I want to know what Jacob's bladder is about, but I'm gonna ask anyway. Jacob's bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic man who forms an imaginary romantic relationship with his bladder. During long and joyful monologues on the can, he starts referring to his nether regions by the name of Jenny. Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum due to increasingly erratic behavior. After a big fight with his paramour, Jacob refuses to pee for a week, and he dies from a ruptured bladder. Je veux voir ce film. Give a rundown on The Usual Surprises. A lighthearted comedy taking place during the surprise birthday party of 34-year-old Sid McBacon. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist actually is. The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly dies of an epileptic seizure. Mais ils meurent tous à la fin de tes films, en fait. I guess it's more of a dark comedy. Natural bald killers? It's a dystopian vision of the future where people are valued by the quality of their hair. The protagonist, Eddie Zephyr, turns bald in high school. One day, he has simply had enough of all the teasing and the bullying, and he completely snaps and heads out on a scalping spree in search of the perfect head of hair. Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However, he has an adverse reaction to the anesthesia and he dies on the operating. Okay. Pourquoi vous mourrez toujours à la fin? Why do you always die at the end of your movies? Typecasting. D'accord. Oh, never mind. Coucou Kaogami, comment ça va? Not the culture type. I need to ask you a few questions. Allez, on va lui poser des questions. Ah, lui, on lui avait pas posé la moindre question. Est-ce qu'on peut le taser déjà? I could, but only if I had a really good reason. Non, je pourrais pas. Mais non, elle a dit oui en plus, elle. Alors là, c'est dans le 80 déjà. Joseph Rain in 81? Mais ça va très bien, merci Kaogami. I most certainly do. What? Tell me. Are you sure you want to know? Not everyone can handle the truth. Oh, just spit it out. Okay, here we go. Ready? Je sens qu'il va dire une connerie. Abducted by aliens. I should have known better. Eh oui, c'était évident. C'était évident. Oh, I saw it, man. A big, huge light. I was a bit drunk at the time, but I had my reasons. My wife had just left me, taking the dog, not to mention I was being conscripted for the war. But I'm telling you, those goddamn aliens took him and they experimented on him. And that's why he was so messed up when they put him back. Open your mind, man! Do you know who Lily Myers was? Yep, my dad was the one who found her floating in the lake. Really? What can you tell me about her? Ah, geez, not a lot. I mean, teenage girls, man, they're like their own species. Not to mention how that entire family ain't like people. Now that's an understatement. Nearly started brawling with Sue the first time I met her. Ouais, ça va. Après, on est devenu pote avec elle. On a partagé une clope et puis c'était bon, quoi. Ne faites pas ça chez vous. She can sure deal out a mean whooping, that lady. Do you recognize ah, lui peut-être il connaît Tracuti, lui peut-être il connaît. Why, I used to call myself that back in Nam. Mais non. Oh, how I missed that marvelous youthful ego of mine. Ah, why do I even bother? Ah non, c'est pas lui, bah oui, do donc you il a know pas l'âge. Charles Wade is? Sure, he's been holed up in this clinic for the last couple of weeks. You saw Charles Wade go in there? Well, yeah, I just told you, man. How did he look? Okay, I guess. Still walking, at least. What do you know about Lily Myers' art? Nothing but hearsay. People say it was pretty deranged. Mm-hmm. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? I'd say they're good people. Isaac the priest is, anyway. His dad, Father Bill, on the other hand, though, he and the people he had around him were into some weird shit. What kind of weird shit? I don't know. They were like a cult. Eh, c'est ce que je pense, une secte. Billy praised himself at the top. Really shifty bunch of folks. Moi, je veux Ramolos. Je, par contre, j'utilise mes premières balles que je viens d'avoir, hein. Isaac turned it all around when his dad kicked the bucket, made it a proper church. Interesting. Do you know anyone else who was involved in the old church?
Not really. I tried to stay as far away from those people as possible. Ask Isaac about it. He's a friendly guy. All right. J'ai peur d'Isaac aussi, tu vois. Do you know anything about this flower? Sur cette fleur, lui, il connaît forcément. Ah, oh, j'en fumais énormément. Ouais. It's red? Oh putain. Enlightening. Il est trop fort. Ricard, on s'en fout. Oh putain. Allez, on va partir dans les conspirations. Attention, regarde cette photo. Do you know what this is? The aliens! Chinese fireworks, of course. Ah non. I grew up in Shanghai. I know what I'm talking about. J'ai grandi à Shanghai. Mais il est complètement fou. They used to call me Dung Pai, meaning round-eyed baldy. Those were some rough years. Mais si t'as grand... Mais tu me dis que tu viens à peine de perdre les cheveux. I miss the food, not to mention the women. Got two kids down there now. Mei Lin and Little Pink. Time to hit the off switch now, buddy. Il raconte que des conneries. That'd be one raggedy-ass bribery attempt. Oh mon dieu. Do you know what this key opens? Your heart, mademoiselle? Oh, brother. Oh, putain. Do you recognize these men? That's your granddad, right? Yeah. What a... No idea. I think my face blindness is acting up again. Mais non! Mais je suis content pour toi, Bug. Je suis très content pour toi que tu l'as attrapé et que moi, non. Je le vis très bien et je suis pas du tout le seum. Pas du tout le seum. Pas du tout le seum. I don't need to show him that. Wanna smoke, buddy? Nah, I got stage 2 lung cancer. I'm keeping it under control with a fruitarian diet. Oh putain, il est complètement taré. I don't need to show him. Bon ben j'ai tout fait avec lui, hein, c'est bon. Ok, that's enough serious questions for now. Non, non, mais j'ai pas le seum, c'est pas vrai, Bug, c'est pas du tout... J'ai pas le seum. J'ai fait de la pétanque avec ta Pokéball, j'avoue. All c'est right. toute ta faute, en fait. Bon ben c'est bon, allez, hop. Bye. On va rentrer. Bon, déjà, on a appris des trucs, hein. Que des conneries, mais on a appris des trucs. Ah bon, est-ce qu'elle va nous laisser voir, elle? Alors, déjà, les éléments à voir ici. Plante, cendrier, calendrier, table d'affichage, dossier, étage, chaise. I was expecting plastic, but this looks like a real smoking lab. Super. Guess this place is a bit behind on healthcare regulations. A calendar from 1991. Guess they really liked that year. No thanks. I can't read it from here. Ok. Bon ben allez, on va parler avec l'infirmière. Hein. Mais pour te rassurer, IV10. Ah ouais, chaud. Chaud. Mais on m'a dit, alors je sais pas parce que je connais pas encore bien le jeu, hein, mais que quand tu écris sur le chat, c'est comme ça que tu fais monter l'expérience et que tu gagnes plus d'argent. Mais j'ai pas l'impression que moi mes Pokémon aient pris plus d'expérience, pourtant j'ai parlé sur des chats du jeu quoi. Enfin de gens qui avaient installé l'extension quoi. Est-ce que tu vois que tes Pokémon ont changé de niveau ou pas toi? Yeah. Bah vas-y si je te fais chier l'infirmière là. On ne vous paie pas assez. Non, non, moi je vais être sarcastique. Surtout, vous épuisez pas trop. Try not to strain yourself. Whatever. What do you want? I'm here to see Charles Wade. Never heard of him. Anything else? Bullshit. I know he's here. Listen, it's okay. I'm a friend of the family. No, you're not, and I said he's not here. Don't make me call security. I need to get rid of her somehow. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser d'elle. Parce que si j'essaie de passer, elle va m'arrêter. No point. I wouldn't even know what room to go to. Rows and columns of files. Probably easier to use the computer if I need to do some digging. Alors attends, comment je peux faire? Attends, est-ce que j'ai des nouveaux éléments? L'ordinateur. They likely keep records of their patients on it. Ouais, mais moi je suis RP là, je suis Katie. Katie elle est sarcastique, elle est. Elle attaque, elle tacle violent quoi. Comment je vais pouvoir faire pour... Je peux la taser. I wish, but she'd just call security on me. Elle appellerait pas la sécurité, elle serait par terre en train de faire. Comme ça. J'ai compris. Je vais pas vous poser une pause clope. Time for a smoke break, don't you think? What? You smoke? No way, those things will kill you. Ah, shit. Évidemment, c'est une infirmière, elle a conscience de qu'il faut pas fumer. Aucune infirmière ne fume. I don't want to show her that. Ouais, non, on est d'accord, ça sert à rien.
Si je montre le livre. Non, non plus. J'arrive à faire un truc avec le dictaphone. Attends. Comment on fait déjà pour faire sortir la fente? Ah, mais j'ai plus de cassette dedans. Ah, j'ai plus du tout de cassette. Ok, ça c'est pas cool. Ça c'est laquelle, le disquette? I can't do anything while she's... Donc non plus. Comment je vais faire pour aller voir? There's a crude inscription. Si je mets le faux magazine. I do enjoy burning things, just not that. Alors sinon là, la plante. I'm trying to cut down on the pyromania. Mais non, mais faut mettre le feu à quelque chose, comme ça elle s'en va. Putain, elle comprend rien. Hein. Je mets le faux dossier. I do enjoy... comment je peux faire pour la... Attends, si je lui reparle. Again? Ah, no, thanks. On peut faire preuve de créativité. Certes. What really happened to you that night, Grandpa? Non, là j'en ai pas. I'm sure the church is hiding something. Regarde dans les éléments que avec lesquels je peux interagir, il n'y a pas 36 000 quoi. Dossier, étage. Peut-être il faut que j'aille revoir le SDF. I prefer to smoke up. Je vais peut-être revoir le SDF du coup. Peut-être qu'il faut que lui. Hey, doofus. Oh, hi! So, how good an actor are you? The best! The very best! You know. That nice she said she loved you in all those movies, and that she always wished you'd give her a live performance. I know it. She always gave me these strange looks. Énorme. I thought it was contempt, but her face must just be cramping up from shyness. Ouais, sûrement, oui, sûrement. Yeah, that's definitely it. She'd love to see you act, I'm sure. I'm gonna have to oblige. Which movie do you think she'd like the best? Bordel. Dans tous les films, il meurt à la fin. Le silence de Lino, parce qu'ils n'ont pas besoin de parler, donc il va pas pouvoir lui dire des conneries, quoi. Je pense que c'est le silence de Lino. Probably the silence of Lambert. Oh, I'm gonna be loud. Al Consuelo, how I wish I could speak. I have so many things left to say. My chest, no! It can't be! Hold me! Thank you, thank you! You've been a great audience! C'est pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Alors attends, elle a sa musique. Really un... C'était pas électrisant. Est-ce que c'est un jeu de mots? On va lui redemander de jouer encore, hey, mais c'était doofus. Pas ça. Oh, hein. Jouer hey, la comédie, tac. Alors la vessie de Jacob. Je suis pas sûr que le voir parler à son sexe, ça va marcher. Mais honnêtement, à part le silence de Lino, surprise habituelle. Y a rien de spécial. On va essayer la vessie. Fais-lui un croche-patte. Oh, mais tellement. Ce serait tellement bien. Malheureusement, les point and click hein, sont assez limités dans les possibilités. Oh, Jenny, everything is forgiven. You and me were like peas and carrots. I'm just so full of your love that I think I'm about to burst. Jenny, where did you go? Oh, I don't feel so good. Thank you, thank you. You've been ouais, c'est fail, audience. C'est fail encore, c'est fail. Non, honnêtement, je pense que bah, du coup, ça peut être que le dernier, quoi. Je vois vraiment pas celui, l'histoire de quatre personnages différents. Hey,
Hey, Doofus. Oh, hi. Hey. Sure. Natural ball. Bon, fournir. Ah, il va essayer de la scalper. Mais oui, il va essayer de la scalper. Du coup, là, elle va partir en courant ou un truc comme ça. Fernando, you've been such a good friend. I can't thank you enough for making me whole again. Turn this scalp into a breathtaking golden carpet, such as the world has never seen. Okay, Doctor, I'm counting down now. 10, 9, 8, 7, 6. Thank you, thank you. Mais non, c'est pas ça non plus. Putain, c'était le dernier? Ou alors faut que je fasse un truc en plus parce que je peux bouger. That wasn't really an electrifying performance. Faut que je laisse jouer et que je l'électrocute. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais en fait, Buck, t'avais raison. Faut que je lui fasse du mal. Hey, Doof. Oh, hi. Hey. Sure. Mais non. Bon, je vais faire le dernier, hein, comme ça j'ai la... Je fais le dernier, mais non, faut que j'électrocute pour qu'il se fasse à... Oh là là... C'est dégueulasse. I can't believe you guys did all this for me. NZ-500 self-defense. You know why, what's that smell? Bacon? Oh, Bobby, my head hurts. I'm seizing. Nurse, he's seizing. Oh, shit. Man, I feel like a total jackass. Putain. I'll have to make it up to the poor guy later. T'avais raison, Bug. T'avais raison. Faut lui faire du mal. Donc la morale du jeu, c'est faites du mal aux sans-abri. Ah bah super. Je sais comment faire. J'ai toujours ma disquette de boot. C'est bon. J'éteins. Je rallume. Et récupération du mot de passe. Parce que je suis un hacker, moi. Et enfin une belle morale. N'empêche, l'infirmière elle est super forte parce qu'elle a réussi à se déconnecter avant d'intervenir pour sauver la personne. Crap. Looks like I have to figure out the username some other way. Mot de passe Autorgador. Bon, j'ai le mot de passe. Nah, I don't see any reason to... Donc ça, je l'ai déjà. Autorgator. Clinique. Nom d'utilisateur incorrect. Donc c'est pas clinique. Infirmière. Non. Attends, infirmière en anglais, c'est nurse, non? Non, de toute façon, tout a été traduit, donc ce serait pas nurse. Quel pourrait être le nom d'utilisateur? J'ai rien qui me fait penser au nom d'utilisateur. Employee of the month, Carlita Mendez. What a joke. Carlita Mendez, voilà. Donc c'est Mendez. Mot de passe incorrect. Comment ça, mot de passe incorrect? J'ai... Évidemment, je l'ai pas noté, hein. Not now. Oh. On va recommencer, hein. Autorgator, ouais, c'est ça? Faites un planning, monsieur Boué. Je ne ferai plus de planning. Je ne ferai plus de planning, monsieur Pop. Autorgador, je me suis trompé. Autorgador. Ok, on peut récupérer la disquette. Ah mais ouais c'est ça, mais moi aussi j'avais retenu ça. Donc Autorgador. Allez maintenant je cherche. C'est Wales. Merde, je sais même plus. Ah il y avait eu Thor au début. On a eu Thor. Allez viens, allez. Bug. Elle est validée.
Merde, du coup, je sais même plus c'est qui c'est le mec que je cherche déjà. Not now. Putain. C'est pas Wales, je crois, un truc comme ça. Non, évidemment. Attends, je vais faire ça. Wade, pas Wales. Putain. Alors, gotcha. 14. Oui, non, mais je sais. 14 août, ok. Demande de prise en charge du docteur Friedman du centre médical St. Francis à Cassidy City. Le patient a subi une opération à cœur ouvert réussie avant d'être transféré dans cet établissement à sa demande. Le pronostic initial semble bon. Le patient devrait être totalement rétabli d'ici 6 à 8 semaines. Sa chambre 6B. Ok. Peut-être je déconnecte. Hein, je suis en l'air de rien. C'est pas moi. Rows and columns of file. Ok. Chauve-sourire, c'est... J'ai pas vu qu'il y avait un chauve-sourire. Je l'ai raté. Oh, merde. Ah. It's all right, Claude. Understood, sir. So, you managed to find me. Eh oui, attends, tu m'as pris pour qui? I did. Well, let's get this over with then. How do you want your pictures? Shall I get some tubes to fill my face with? Will that suffice for your front page? I'm no journalist. Well, not yet anyway. Ah, she's but a cub. So, you're hoping for your big break. Surely this must be worth an internship at one of the big papers. Do you want me to call Thompson at the Times and get it over with? I still play golf with him every once in a while. Je ne suis pas là pour ça, c'est une affaire personnelle. Vous faites beaucoup de suppositions, monsieur Wade. Ou, j'ai pas besoin de faveur ni d'un coup de pouce, je me débrouille toute seule. En vrai, si je veux rester dans le personnage, elle va plutôt dire j'ai besoin d'aide de personne, je me débrouille suffisamment bien toute seule, quoi. I don't need to piggyback on favors. I make my own way. A stance I can respect. Very well, you have piqued my curiosity. Who are you? I'm Kathy Rain. Joseph was my grandfather. Now I remember. You were at the funeral. I was. You were late. And even my morning smoke. Besides, it's not like Grandpa was going anywhere. Oh, just look at her, Claude. She's absolutely fearless. That's Joseph's blood running through her veins. She certainly has a smart mouth, sir. Ok. Alors franchement, je te pète ta gueule, Claude. Je te pète ta gueule, moi, je suis un fou. I must say, you have me intrigued, Kathy. What can this old man help you with? Allez, on est parti. On va poser des questions maintenant. L'incident en 81. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? I wish I did, Kathy. You must know I did everything in my power to help. How do you think Mary Elizabeth could afford all that expensive treatment? MRIs, neurologists, say what you will about Joseph. But he was never rich. Strange. Grandma never mentioned that to me. She's just too proud. At first she refused. She was convinced that I had an agenda, that there were strings attached. And were there? Don't be silly. Despite all that had happened, I still loved Joseph dearly. I wanted people from places like this have a deeply rooted mistrust in the rich, passed on for generations. In her eyes, I had become one of them. So that's all you know about the whole affair? Ouais, parce qu'il a pas parlé d'histoire là, il a juste parlé de des soins quoi. That there's more to know. Mrs. Rain accepted the healthcare, but asked me to stay out of everything else. So I did. I see. What can you tell me about your friendship with Grandpa? Joseph was the best friend I ever had. We grew up together. Married our high school sweethearts together. Went to war together. I can't even begin to count the number of times he's saved my life.
I repaid the favor once or twice, but... So, when did you two lose touch? I heard that something happened between you and him. What was it? The truth is, Brian Rain happened. Sharon Evans happened. Donc c'est mes parents, c'est My ça? My parents? Yes. They ruined everything with their vile, destructive behavior. I couldn't have that around my daughter, or my newborn grandson. Joseph was naive. He believed that anyone could be helped, that anyone could be reasoned with, given a chance. He was just... Il est bien. Too good, bless him. He should have been harder on Brian, more strict. Alors, soit j'approuve son opinion sur la sévérité, soit je lui ai dit de ne pas rejeter la faute sur mon grand-père. De base, j'ai envie de le défendre, mon grand-père. De base. Mais est-ce que je me dis qu'en approuvant son opinion sur la sévérité, je ne vais pas me le mettre dans la poche pour qu'il réponde vraiment à toutes mes questions? C'est ça la vraie question. Après, c'est pas très Cathy Rain de la sévérité, je pense. Je la vois pas approuver la sévérité. Donc je pense que je vais essayer d'être encore RP au niveau des questions-réponses. Et on va partir sur lui dire de ne pas rejeter la faute sur votre grand-père. It's hardly grandpa's fault. He did everything he could to set my father straight. Oh, I never claimed to doubt Joseph's commitment. But I'm not going to ignore his flaws. Your grandfather often used his heart when he should have used his head. You say that like it's a bad thing. I believe it is, objectively. But I shouldn't speak ill of the dead. Eventually, my company grew much too large for this little town, and we moved on. Not long after that, your grandfather ended up in that wheelchair. That marked the end of our friendship. Comment ça? Calme-toi. Alors, putain, j'ai des questions, mais... Alors, Cocky, déjà, Do j'ai vu Cocky. Do you recognize the call sign, Cocky? Would be strange if I didn't, since I was the one who coined it. It belongs to a fellow named Jimmy Cochran. He was a coward, really. The nickname is somewhat of a bad joke. Jimmy Cochran. Perfect. Ok, plus d'informations. Vas-y, Tell dis-moi me plus d'informations. Jimmy Cochran. Is he still alive? Mais si, tu peux participer, maman. In a literal sense, he's been held in a mental institution for years. Oh putain, il est à tous les coups dans le même hôpital psychiatrique que, que ma mère. Let me guess, since 81? Either 82 or 83. I'm fairly certain it was early 83. Do you remember the name of the institution? Something starting with an E. Emerson, Everton, or similar. Ingstrom? Ingstrom Psychiatric Hospital? Yes, that's the one. You know the place, Kathy. Je lui dis la vérité sur ma mère. Je vais lui dire la vérité. Nona Joss est internée. I do. My mother is in there. Sharon Evans? I had her committed about a year ago. I see. It must have taken a lot of courage to do that, Kathy. Mothers have a lot of power over us. More than most of us care to admit. Alors maman, si tu veux, tu arrêtes le live et après tu peux regarder la rediffusion. Comme tu regardes la télé ou YouTube. Et au moins tu verras tout. Do you know why Jimmy Mais j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Some obsessive compulsive syndrome. He became fixated with circles and started hurting himself, trying to scratch the circles out of his head. Oh, c'est ça. Creepy. I wonder what set him off. I think I'll check the place out tomorrow. Too late to head back to the city now. L'église. What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? Yes, maman. They seem like any other church to me. But then again, I'm not their usual clientele. Weddings, baptisms, and funerals are just about what I can muster. Ok. La fleur. What this is? A flower. Why don't you consult a botanist instead of Merci, c'était pas la question. This,
What do you see in this picture, Charles? Fireflies would be my best guess. They can grow terribly large around these parts. I don't need to Do you know what this key opens? You must be truly desperate. Oui. Do you recognize this, Charles? Of course. Your grandfather, me, Jimmy Cochran, taken shortly before we went to the war. You guys look like you just won the lottery or something. Indeed. We were mere children, with no concept of what we were getting into. Ouais, j'avoue, Turk. Je lui propose une coop. I don't need to show him that. Est-ce que je peux le taser? He's being cooperative at the moment. I shouldn't push my luck. Bon, je le tasse pas alors. Maintenant, c'est deux questions qui vont pas lui plaire, je pense. Je vais d'abord parler de Lily. You bought a number of paintings by Lily Myers. Why? Je voulais pas d'abord parler de Lily, pas de la peinture. Cathy, soyez intelligente. I'm known to dabble in art from time to time. Martha, my wife at the time, was enamored with the paintings. I believe she first saw them at the high school which the Myers girl attended. Anyway, after the poor girl killed herself, I bought the painting speculatively. When a young artist with any talent to speak of commits suicide, it can be a wet dream of sir. Shortly after procuring the art, I had it valued by an expert who determined that the value was three times the amount I bought it for. Today, I'm sure I would have made my money back tenfold or more if it wasn't for the art theft. What art theft? There was a burglary at the mansion I used to own here in town. It was... Well, shit. Eloquently put. Et du coup, voilà, peinture de Lily volée. Can you tell me about the art theft? Well, somebody broke in, stole the paintings and got out. Fairly clumsy job. Lots of broken windows. The strangest thing was that I had a Monet, a Rembrandt, and two paintings by Picasso, untouched. Ah, c'est la secte encore. But every single painting by an unknown local artist, gone. That can't be a coincidence. Agreed. Somebody wanted those paintings badly. I assume there was an investigation. Yes, Sheriff Truman came by with his deputy a few hours later, but they didn't have much luck. They found a few hairs, which turned out to be... Some stunning police work right there. Indeed. There was a single witness, though, who said he could make out multiple burglars. So, I take it the case with... Yes. I honestly didn't care much one way or the other, given the fact that my most expensive pieces were safe and sound. I think I'll have a chat with the sheriff about the matter, if that's okay with you. Certainly. I'll call ahead and instruct him to give you everything you need. That'd be great. Anytime. But I'm curious, what's your interest in the paintings? I've learned that my grandfather went to Sue and asked to see them, right before he had his injury. Is that so? Strange. Bon, j'ai plus rien à lui poser comme question. Je lui donne une disquette. Et c'est pour le rebooter lui aussi. Non, thanks, c'est bon, Charles. Allez. That's all I need for now. You're welcome, Kathy. Come back anytime. That guy is huge. I wonder how many cows he eats per day. Ça se remet au point Looks and like click, ouais, clairement, ouais. Tunes with him. Je re-kiffe, enfin, j'ai toujours kiffé. J'ai essayé d'attendre, comment il s'appelle. Private phone. Wade. J'ai essayé d'attendre mon beau-frère avec qui je l'ai fait en Just principe. Mais le problème, c'est que mon beau-frère, je le vois pas beaucoup, donc. À force, Bug m'offre pas mal de point and click et je peux pas y jouer, donc c'est frustrant. Donc j'ai dit, allez, c'est bon, bâche. Tu vas arrêter de mettre des disquettes à tort et à travers. Jamais. Mais du coup, je vais pas aller enquêter encore aux autres endroits. Hein. On va retourner au commissariat. Avant le commissariat, je vais aller voir ma grand-mère, savoir si elle connaît le nouveau nom que j'ai et si elle a entendu parler de l'affaire des vols de tableaux. Un crado sauvage. Oh, crado je le veux. Poké catch. Et je vais carrément mettre ma ultra vol, ça s'appelle en anglais, je crois. Alors, si j'attrape pas un crado avec une ultra vol en hyper bol en français, voilà, je vais péter un câble.
Oh oui, soit ma prostituée. Oh, hello, dear. Allez, je vais te reposer des questions, grand-mère. J'aimerais bien pouvoir lui poser des questions aussi sur le fait que le mec, que Charles, il a payé. Very well, dear. Hein? Ça, j'ai aucun élément que je peux lui présenter, malheureusement, mais... Do you know who Jimmy Cochran is? He was a friend of Grandpa's. Perry Papetricienne. I believe he teaches at the flight school these days. I don't think so, at least not anymore. I was told he was placed in a mental facility. Really? He always struck me as a kind man. Maybe a bit nervous. Ah, je vais appeler les flics. Je vais appeler l'armée aussi. Il faudrait que je retourne au commissariat pour ça. There's more. I found out that Jimmy asked Grandpa for help not long before Grandpa ended up in that wheelchair. Jimmy sounded really desperate. I'm sure what happened to Grandpa that night had something to do with his cry for help. You should go find him. Oh, si vous l'avez tous les deux et que moi je l'ai pas alors que j'ai utilisé une hyperbole, je vais péter un câble, les gars. That's the plan. I just wondered if there's anything else you think I should know about him. Not really. We haven't stayed in touch since Joseph was injured. Mais putain! Ah, j'ai utilisé mon hyperbole. J'en avais qu'une. J'ai plus d'hyperbole. J'ai utilisé mon hyperbole. Et j'ai ultra boule, ouais, c'est ça, j'ai les ultra boules. Non, mais c'est quoi ce jeu de merde? Non, mais c'est incroyable. Combien ça coûte une hyperbole? 1000. Et j'ai combien? 3000. J'ai pas racheté des hyperboles, je vais prendre. Ça me rend fou. Je vais acheter deux hyperboles. Et oui, bien sûr, je les achète. Oui, le streamer peut jouer, oui, j'en ai attrapé plein. Mais ça fait un petit moment que j'en attrape plus, par contre. J'avoue que... Putain! Je suis dégoûté, cradopo en plus, quoi. Ah, la dernière fois, sur mon live, j'ai eu un Zarbi, là, je suis content. Un Zarbi, ouais. I know that he had a wife, Agatha. And a son, James. Il fait neuf, Agatha, mon Dieu. Passed away from cancer years ago, but as far as I know, James still lives in the city with his family. Ah. Eh ben, prout à zut. Oups là. J'ai fait quoi, moi, là? Voilà. Je vais devoir arrêter le live. Ma fille revient avec sa marraine. Donc, hop, en just chatting. Je vais sauvegarder, là. Est-ce que je peux sauvegarder bon, oui. Ah non, faut que je finisse la discussion. Ouais, voilà. Sauvegarder. Hop, écraser, oui. Retour au menu, oui. IV9, bon... Je regrette pas trop, du coup, ça va. Ah, je suis dégoûté. Allez, on va envoyer un raid. Oh là là, j'ai plusieurs personnes. On va aller chez GA. Les copains, on va aller chez GA. Hop. Je vous envoie le raid chez GA. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis peut-être rendez-vous cet après-midi ou ce soir, si je me sens pour le jeu. Et à 18h en principe avec Turk, on fait un live pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc voilà. Des gros bisous les amis. Ciao, ciao.